سيد سمير طيب، سيد أحمد إبراهيم، Nous sortons d'un vote concernant la commission de coordination pour la rédaction de la Constitution. On s'attendait à ce que le groupe majoritaire comprenne que nous sommes à une phase où, plus que jamais, le consensus autour d'une Constitution civique et démocratique est nécessaire. Et j'ai été surpris de voir que c'est la même logique du vote automatique qui continue, et je pense que ça en dit long sur la pseudo-volonté de dialogue qui est exprimée ici ou là. Je pense que le pays a besoin d'une volonté nationale unie pour que cette phase de la constituante soit réussie, qu'il soit mis un terme à toute la confusion qui règne en ce moment, et au danger réel que des acquis importants du pays puissent être remis en cause par des partis politiques qui ont raconté plein de choses à propos de leur engagement pour la citoyenneté, etc., et qui sont amenés tout droit vers des démarche, donc qui n'a rien à voir avec cette recherche de consensus autour des acquis de la Révolution. Pour ce qui est du travail au sein de l'Assemblée, malheureusement, les discussions autour de l'organisation provisoire des pouvoirs ainsi que sur le règlement intérieur ne poussent pas à l'optimisme. Mais je suis optimiste concernant la capacité de la société civile tunisienne à se mobiliser pour défendre une véritable république qui soit un véritable tournant historique vers le futur, une république digne du XXIe siècle, et pour que l'union des forces démocratiques se réalise le plus tôt possible, pour qu'elle puisse peser de tout son poids et éviter au pays tout risque de régression civilisationnelle. Il y a des risques réels de régression. Mes vœux, quoique tardifs, pour tous nos concitoyens tunisiens en France et étrangers, et aussi Mold Mabrouk, puisque nous sommes à quelques jours de Mouled. Et je pense que là aussi, tous ces citoyens-là ont un rôle à jouer important. Il faut qu'ils aient tous leurs droits. Il y a eu une tendance à un moment à ignorer la spécificité des citoyens tunisiens et étrangers. Tout cela encore montre que les discours sont une chose et la pratique de certains partis en est une autre. Par conséquent, là aussi, un appel à la vigilance. Notre pays doit être au-dessus de toutes les autres considérations et le pays a besoin de tous ses enfants ici et ailleurs.